Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Ravi de vous retrouver devant cette belle lumière et ce beau blanc luchon. Alors, on a encore eu de grosses avancées cette semaine, de super avancées. J'espère que vous serez aussi impressionnés que moi. Alors, les nouveaux arrivants, abonnez-vous parce qu'on n'est qu'à la première partie. Et les autres, restez avec moi pour partager cette belle expérience. Allez, je vous laisse découvrir tout ça en vidéo et je vous reprends tout de suite après. Bon visionnage! Alors, j'ai vu les plombiers la semaine dernière. Ça y est, il fait froid, il neige, l'hiver vient. J'ai vu les plombiers la semaine dernière. Ils m'ont expliqué en fait comment fonctionnaient les cycles de chauffage de la chaudière et comment fonctionne la chaudière. Donc, en fait, là, elle va envoyer de l'eau. Là, elle est à 18, elle est à 18,8 et elle va envoyer de l'eau là jusqu'à, ça va monter jusqu'à 20 degrés. Et il reste 23 heures, donc pendant 23 heures, elle a différents cycles. Et ensuite, on va passer sur une eau à 25 degrés qui va repartir pour un certain nombre d'heures. Ensuite, l'eau va monter à 30 degrés qui va repartir un nouveau cycle pour un certain nombre d'heures. Et derrière, on aura une eau ensuite à 30 degrés, puis ensuite 35 degrés. Donc voilà, il y aura différents cycles comme ça, avec un certain nombre d'heures, et ce, pendant 20 jours, je crois que ça va monter jusqu'à 40 ou 45 degrés. Et alors là, quand on monte, on voit qu'il fait très très chaud et très humide. On voit sur les baies vitrées, avec le chauffage au sol, ça ressort vraiment l'humidité. Les baies vitrées sont trempées, ça dégouline, donc dès qu'on n'a pas aéré pendant un jour, on voit tout de suite ce que ça donne. Et alors en sensation, là, il fait vraiment très chaud et humide dans la pièce. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de ventiler, de chasser toute l'humidité et de sortir toute l'humidité de la maison tous les jours, de bien ventiler et bien aérer. Même s'il fait froid dehors, même s'il pleut, ils m'ont expliqué que dans tous les cas, il fera plus humide à l'intérieur qu'à l'extérieur. J'allais vous montrer dans la chambre, même dans la chambre finalement où il n'y a pas le plancher chauffant. La baie vitrée est trempée, la fenêtre est trempée. Là, ça dégouline vraiment. Voilà. Donc, je mets plus le petit soufflant, comme j'ai expliqué à certains d'entre vous et comme certains d'entre vous m'ont dit, parce que ça sert à rien. La chaleur se diffuse partout. Vraiment, le plus important, c'est vraiment de chasser l'humidité. Donc là, on voit bien la circulation de l'eau et on est presque à 20 degrés. Donc, comme je vous disais, les cycles, on va monter à 20, 25, 30, 35, jusqu'à 40, 40 ou 45, je crois. Jusqu'à ce que tout soit sorti et tout soit sec. Même là, la poignée, on voit bien que la poignée, elle est toute pleine de gouttelettes d'eau, la poignée de la porte. Les gonds de la porte aussi. Et ici, la poignée aussi est remplie d'eau. Donc c'est parti. Je vais continuer à tout éponger, tout essuyer et tout ouvrir pour chasser tout ça. Le seuil est plein d'eau. Et aujourd'hui, pour cette nouvelle journée très froide et enneigée, le peintre est venu et a commencé à replaquer à cet endroit où on avait vu la semaine dernière. Donc voilà, il a remis du placo collé jusqu'au bout. Là, c'est en train de sécher, donc ça tient avec les tesses, ce qui permet de fermer le trou et ce qui fait une marche inversée beaucoup plus propre, sans arête, tout sera blanc. Voilà. Ensuite, l'électricien est revenu sur le chantier et a commencé à installer les prises, les appareillages, toutes les boîtes. Il a commencé à nous mettre les prises ici. Ici pour la hotte, ici. Les interrupteurs. Donc c'est top, ça continue. Le peintre a commencé aussi à protéger les cadres de porte. Il a commencé aussi à faire ses contours et ses angles. Donc c'est super.
Et moi, de mon côté, ça y est, les joints sont secs sous la voûte. Donc, je me suis mis quelques palettes. C'était parfait. J'avais une palette de 100 par 100. Et de ce côté, ça rentre. Et ici, c'est une palette taille standard 80 par 120. Donc, voilà pour les idées que j'avais pour cet espace. Alors, je pensais, j'ai plusieurs idées. Peut-être qu'ici, je ferai un canapé en palette avec un dossier derrière et les coussins qui font la taille d'une palette. Comme ça pourra faire un petit fauteuil sous la voûte. Un coin sympa, mais pour l'instant, c'est vrai que je l'utilise. Alors, j'ai pas vraiment d'abri à bois à l'extérieur, donc je l'utilise pour mettre mon bois. Je ferai un petit abri à bois peut-être plus tard si je veux laisser cette voûte dégagée et sympa. Mais voilà, le bois, c'est aussi le style des anciennes fermes, hein. C'est aussi sympa de voir le bois rangé proprement sous la voûte. Donc, je ferai peut-être du rangement de bois ici, ou alors des fauteuils en palette avec des petits coussins, peut-être des fleurs, ça peut être, il peut y avoir plusieurs idées. Dites-moi ce que vous vous en pensez, ce que vous vous feriez, parce qu'en fait pour le bois pour l'instant j'ai envie de le laisser à l'abri et j'ai pas envie de remplir toute cette zone parce que j'aimerais bien le laisser quand même en terrasse couverte ou peut-être même plus tard, pourquoi pas avec peut-être une petite cuisine d'été, un barbecue ou quelque chose de sympa. Une terrasse couverte ou même l'hiver pour mettre les voitures, mettre deux voitures à l'abri si on ne veut pas forcément les rentrer dans le garage et pas qu'on ait besoin de gratter, qu'elles ne soient pas gelées, pleines de neige et dehors. Et à l'intérieur, le peintre a bien, bien, bien avancé la peinture. Franchement, ça change tout. Tout est blanc. C'est surtout en haut que c'est impressionnant. Là, c'est juste l'entrée, je vais vous montrer. Donc tout jusqu'en haut, ça fait beaucoup plus clair et lumineux, même si aujourd'hui c'est une journée très sombre. La ferme ressort beaucoup mieux. On avait fait quelques tests de couleur, mais ça me plaisait pas trop, ça risquait de faire vite sombre. On a déjà toute la charpente en bois très marquée, donc du clair c'est quand même beaucoup mieux. Bon, là c'est la sous-couche, hein. C'est pas encore le blanc luchon, mais c'est très beau, très lumineux. Ça fait tellement ressortir la charpente. Ici aussi, la ferme ressort tellement bien sur une couleur plus claire. Le couloir, ça l'éclaircit aussi, il était sombre. Et encore là-bas, on a la porte fermée. Puis après, on aura notre suspension. Ça commence à être moins humide. Après, le peintre, le matin, aère quand il arrive. Il aère bien. Il a épongé aussi. Il a épongé les fenêtres, il m'a dit ce matin. Donc franchement, c'est super, il est super. Je vais aller vous montrer un peu. Je suis bien content qu'on ait laissé ces cadres en bois parce qu'en bas on l'a peint dans l'entrée et je trouve que tout blanc, ça fait trop blanc. Bon là c'est pas grave, c'est une petite entrée et puis il n'y avait pas d'autre bois donc c'est pas gênant. L'électricien a continué aussi, il a bien avancé les appareillages, il commence à mettre tous les appareillages. Hier on a validé aussi toutes les commandes des appareillages donc ça devrait arriver par la suite et derrière il pourra faire son tableau et raccorder l'électricité. Donc on aura de l'électricité dans la maison. On aura des prises, de l'éclairage. Là, il a mis des prises de partout. Ici, les interrupteurs. Et ici, il continue. Je vais sortir ici pour vous montrer les prises là-bas. On a commencé à appareiller la cuisine aussi. Et comme d'hab, je vais aller vous montrer un peu de là-bas pour vous donner un autre angle de vue. Et comme d'hab, dites-moi vos avis, dites-moi, donnez-moi vos avis, dites-moi ce que vous en pensez. De ce clair avec la charpente. Donc on a choisi en électricité des appareillages assez simples pour pas que ce soit trop lourd, trop marqué déjà avec la charpente et pour laisser bien la charpente en valeur. Et pour marier, vous verrez aussi,
sur le moment quand ce sera installé, mais pour marier aussi un peu un côté moderne, industriel avec l'ancien, pour pas faire que du trop lourd, trop ancien, trop chargé, quoi. J'espère que ça rendra bien, vous me direz aussi. Et ensuite, les serruriers ont terminé le coffrage en alu. Ils avaient une petite tôle en plus qu'ils m'ont laissée dans le même râle, laquée dans le même râle, si ça peut servir. Si je veux faire une petite tôle à côté ou quoi, peut-être des petites tablettes de fenêtre ou... Mais voilà, un bon gros coffrage. Donc si jamais en plus un jour on isole, on pourra venir mettre l'isolant là-dedans. Et au final, on verra même plus le coffrage à l'intérieur. Donc c'est top. Fait pas très jour aujourd'hui, mais voilà. Un bon gros coffrage pour encastrer la pompe à chaleur et pour qu'elle ait suffisamment d'espace autour et derrière pour ventiler correctement selon les cotes constructeurs. Ensuite, à l'intérieur, le peintre a refait toutes ses retouches, presque toutes ses retouches, avec de l'enduit coloré pour qu'il y ait vraiment plus aucun défaut. Donc il repasse une couche d'enduit à certains endroits après la sous-couche avec de l'enduit coloré, je pense pour qu'il voit bien là où il a fait pour le reponçage derrière et qu'il n'y ait pas de défaut de ponçage non plus. Je vais vous montrer à l'intérieur. Donc voilà, il re-ratisse quand même à certains endroits, par-dessus la sous-couche, de l'enduit avec du colorant pour qu'il n'y ait vraiment plus du tout de défaut. Montrer ici. Et l'électricien a bien continué. Il y a plein de câbles de partout. Il a surtout fait un bon boulot. Je vais mettre de la lumière, peut-être qu'on y verra mieux. Il a surtout commencé le tableau. Bien commencé le tableau même d'ailleurs. Je vais mettre là, ce sera plus simple. Avec tous les câbles, toutes les gaines qui arrivaient, il a commencé à tout relier, toutes les terres. Une prise ici pour la box, puisqu'il y aura le tableau de commande aussi, de la box et des RJ45. On voit les RJ45 qui arrivent là. Et ici, tout ce qui repartira dans le sous-sol, dans le garage en bas. Il a super bien avancé aussi. Et moi, de mon côté, je vais pouvoir. J'ai pu contacter Enedis pour le raccordement définitif, vu qu'ils ont un peu de délai. Ils ont 2 mois de délai, et donc, comme ça, on va pouvoir faire le raccordement définitif et avoir de l'électricité dans la maison. Mais surtout, le peintre, dans les autres pièces, il a fait la sous-couche aussi et les plafonds. Donc on a bien fait de laisser les cadres en bois pour que pas que ce soit tout blanc. Ici aussi. Le dressing aussi. Et c'est top. La buanderie. Et les toilettes qui sont claires même sans lumière. Avec ce blanc. Très bien. Ça y est, l'électricien a mis l'électricité dans la maison. Bon, on a bien prévu niveau éclairage parce que c'est assez clair alors qu'il n'y en a qu'un seul d'éclairé. On en a prévu un deuxième pour cette zone. Je peux... Alors, je sais plus lequel c'est. Ça y est. Les interrupteurs fonctionnent. Ici aussi. Bon, c'est de l'éclairage provisoire de chantier, mais ça fait plaisir. C'est top. C'est super.
Donc là-bas, ce sera la suspension au-dessus de l'îlot central. Ici, on a nos trois zones. Voilà, donc trois zones qui éclaireront tout le rail. Une zone ici pour le salon, une zone ici salle à manger et une zone ici cuisine où il y aura deux spots par zone qu'on pourra orienter. La suspension dans le couloir. Ça fait plaisir, c'est fou, ça y est. Ici, qui éclaire avec ici, les toilettes, la buanderie, avec son tableau qu'il a raccordé. Il a même commencé à descendre de l'élec dans le garage pour la chaudière du plancher chauffant. Tout le tableau qu'il a super bien avancé. Et aussi, on entend, je sais pas si vous entendez, on entend un peu parce qu'on l'a mis en marche forte. Il nous a branché la VMC, donc là le dressing et la chambre. Je vais vous montrer par là. Le dressing et la chambre. Et donc ça c'est top pour bosser, il y a de l'électricité et de la lumière de partout. Toutes les prises fonctionnent aussi. Les appliques de chaque côté du lit. La salle de bain. Et donc, comme je vous disais, ce qui est super, c'est qu'il nous a branché la VMC et comme ça chasse bien l'humidité. On l'a mis en marche forcée et on a beaucoup moins d'humidité qui revient sur les fenêtres. Et ça, c'est top. J'ai hâte de voir, lui aussi a hâte de voir ce que ça va donner avec le rail et les projecteurs. Toutes les prises fonctionnent et je vais vous montrer comment il a raccordé ça. On n'a plus de coffret de chantier là du coup. Ah, il fait un peu noir là-bas. Là-bas, il n'y a pas encore de courant. Donc je vous montrerai demain. Mais ici, en tout cas, on n'a plus de coffret de chantier. Tous les câbles passent par là dans les gaines et il a raccordé là-bas directement. Et alors aujourd'hui, les plombiers sont venus. Ils ont commencé à livrer de l'appareillage aussi. Donc ici, notre petit bac de garage, parce qu'en fait, l'idée, vu qu'on a le point d'eau derrière, là, dans le local chaufferie, c'est de faire sortir nos puisages ici, à l'intérieur. Bon, ils seront quand même à côté de l'extérieur. Si je veux sortir un tuyau pour arroser, je pourrais mettre mon tuyau à l'intérieur. Ça évite que ce soit moche en façade, qu'on ait des tuyaux et des robinets de puisage en façade. En dessous, pour pas qu'on ait de l'eau dans le garage, on va mettre un petit bac en résine, parce que voilà, c'est un garage, il n'y a pas besoin d'un truc joli et cher, pour récupérer l'eau, et on aura donc un écoulement derrière. Donc si je veux faire un petit point d'eau, me laver les mains, on aura deux robinets de puisage avec une eau réseau quand même, et avec l'eau du puits, puisque derrière on aura une pompe qui sera raccordée au puits. Je vous montrerai derrière la prochaine fois, parce que là, c'est tout fermé pour le froid, mais ils ont commencé le réseau de chauffage, la pompe à chaleur, donc ça c'est super, vous aurez pour la prochaine fois et je vais vous montrer en haut. Donc là, comme je disais, voilà, ça continue à avancer aussi fort, l'électricien a préparé la terre. Ici, on a le petit radiateur dans l'entrée que les plombiers ont commencé à présenter. Donc voilà, là on aura notre placard au fond. Le menuisier est passé aussi ce matin prendre les cotes pour tout ce qui est ameublement, agencement intérieur. Le placard, l'habillage de l'escalier en bois. Donc on va faire un habillage en frêne, ça va être très sympa puisqu'il faut du bois dur pour les escaliers. Il a pris les cotes de la cuisine, des placards, je vais vous montrer tout ça. Donc là, le peintre est venu reponcer ses enduits qu'il avait faits, ses retouches. Il a continué à poncer, donc on y voit moins coloré. Et l'électricien a super bien continué le tableau. Donc voilà, il n'a pas fini de tout coffrer, puisque comme ça le peintre pourra peindre correctement autour, mais après on aura les caches devant qui coffrent. Donc là, on a bien notre tableau de commande avec les RJ45
qui seront répartis dans toute la maison, puisque ici, niveau Wi-Fi, ça va être compliqué, donc on aura un réseau RJ45 avec un tableau de commande ici. Et ici, voilà tout le tableau, un gros parafoudre. Pour l'instant, c'est repéré à la main, mais ensuite, ce sera fait à l'ordinateur. Ensuite, pour vous montrer rapidement dans la chambre, les plombiers ont commencé à mettre le radiateur, ici. Donc au début, on avait pensé à le mettre sous la fenêtre, mais bon, c'était pas très haut, et de toute façon, c'était gênant pour aller ouvrir la fenêtre, fermer les volets. On avait déjà beaucoup de recul avec l'épaisseur des murs et de l'isolant. Après, ici, on s'est dit, si on veut mettre une autre armoire ou une commode ou une coiffeuse, voilà, avec un petit miroir, c'était plus sympa ici. Je trouve qu'il a bien sa place. Ils ont commencé aussi à mettre le sèche-serviette dans la salle de bain. Grand sèche-serviette, bien haut, je vais vous montrer d'ici. Donc là, on est plutôt pas mal. Et pour finir la semaine en beauté, les plombiers sont venus, bon, ils avaient fermé cette belle porte d'origine, on a bien fait de la garder pour barrer un peu du froid, vu qu'il y a la chaudière, parce qu'elle galérait un peu à monter. Ils se sont aussi bouchés les fenêtres, c'est pour ça que c'est un peu sombre. Donc comme quoi, on se rend bien compte que ces deux petites fenêtres, ça fait quand même pas mal de lumière quand il y a les deux, et qu'il fait assez lumineux. Et donc les plombiers sont venus livrer le matériel et commencer à monter le circuit de chauffage, avec ici l'unité intérieure de la pompe à chaleur, le ballon tampon pour le chauffage, pour le circuit de chauffage, et le ballon d'eau chaude sanitaire. Voilà, je vous montrerai ça un peu plus en détail quand les menuisiers seront venus poser les petites fenêtres. Elles sont en fabrication et du coup, on y verra plus clair. Et on aura moins froid. Et quand les serruriers seront venus poser le portail de garage aussi, qui est prévu dans les 15 jours qui viennent. Et à l'intérieur, en haut, le peintre a fini une première couche de peinture dans toute la grande pièce. Donc on voit bien le résultat final. Donc finalement, ce blanc qu'on trouvait chaud, c'est ce qu'il me disait, fallait mieux prendre un blanc chaud. Parce que vu la surface qu'il y avait, vu la grande surface qu'il y avait, dans tous les cas, on allait le voir clair. Bon, après, il n'y a que la première couche. Il restera la deuxième couche de finition. Mais voilà le résultat. Avec le blanc luchon qu'on a choisi. C'est très beau en blanc comme ça, ça fait vraiment ressortir les fenêtres et la charpente. C'est très sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi, donnez-moi vos avis. On avait fait des tests de couleurs, mais ça allait, c'est suffisamment sombre la charpente. Et puis voilà, pas besoin de déco, hein. Notre déco on l'a au plafond, comme m'a dit le peintre. Donc finalement, un blanc, un clair de partout, ça fait mieux ressortir les fermes. Si on allait faire une face sombre, la ferme allait moins ressortir, elle ressort beaucoup mieux sur un blanc. Et donc dans les petites fenêtres, on voit bien que la chape là commence à bien sécher au sol. On voit les serpentins du plancher chauffant. On voit là où il n'y avait pas de plancher chauffant que ça sèche beaucoup moins vite. Hein. Et on voit les serpentins au sol où ça sèche plus vite vers les murs. Là, il y avait une moquette de protection aussi pour la peinture, donc on voit que ça a peut-être un peu moins chassé l'humidité. Mais voilà, c'est fou comment on voit les serpentins, comment ça commence à sécher. Donc fin janvier, on aura notre test d'humidité. Il faudra bien prendre le test d'humidité, les endroits où il n'y a pas le plancher chauffant, pour être sûr que ce soit bien sec avant de poser le carrelage. On voit que ça fait un peu moins d'humidité sur les fenêtres quand même, mais c'est vrai que depuis qu'il y a la VMC, c'est mieux, mais c'est vrai que c'est quand même... encore très humide. Il faut encore bien aérer, nous a dit le chapiste. Et là, on voit bien la différence entre là où c'est blanc et sec et là où il n'y a pas le plancher chauffant, où ça commence à être un peu plus humide. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, pour vous donner quelques infos pour la suite, le menuisier est passé prendre toutes ses cotes pour tout ce qui est ameublement. Donc, meubles de cuisine, dressing, placard dans l'entrée, placard dans le couloir, habillage aussi de l'escalier en bois. Donc ça, on va le faire en frêne, un bois dur qui est plutôt joli.
Et ensuite, comme vous avez vu, la chape a plutôt bien séché déjà grâce au chauffage du plancher chauffant. D'ailleurs, on est bien là, il fait bon dans la maison. Du coup, dans encore quelques jours de séchage, on pourra venir faire un test d'humidité sur la chape pour qu'ensuite le carreleur puisse venir poser le carrelage. Et donc derrière, une fois qu'il y aura le carrelage, on pourra poser les ameublements, les plinthes, le peintre pourra faire ses couches, sa dernière couche de finition, et il restera les appareillages électriques et plomberie. Alors restez avec moi et activez les notifications pour pas louper les prochaines vidéos. Salut, bon dimanche!